quand même bien amélioré la vitesse de chargement du démarrage du jeu, c'est quand même pas mal. Ça traîne encore un peu, mais il y a du progrès. Il y a du progrès. Allez. On va pouvoir sauter droit dans l'action parce que j'ai un gros boss à faire. Donc ça devrait être pas mal. Allez, tu peux y arriver. Alors oui, on va voir. Il nous restait juste à aller faire ça. Bon. Tout le monde a l'air en vie. On va voir, est-ce que tout le monde s'est remis? Ah non, ils se sont pas encore remis, eux. On va dormir un jour de plus. Est-ce que là ils se sont remis? Putain, Amiri est toujours pas remise, putain. Ah oui, moins 6 caractéristiques. Dans ce cas, toi, tu vas équiper plein de sorts de restauration. Restauration partielle. Toc. Toc. Distance aux énergies destructrices mono-cible. Non, tu peux prendre juste plein de restauration partielle. On va dormir. Quoique. Ah non, il faut qu'on dorme. On va dormir encore une fois. On va se mettre en route et sur le chemin, je lui ferai utiliser restauration partielle sur Amiri. Coup, est-ce qu'elle est. Ouais, il manque toujours. Toujours masse, mais avec 3 restaurations partielles. 4 restaurations partielles, ça devrait le faire. Bonjour, Robert et Slowcool. Slowcool. All according to plan. Plus 1 épée longue à fuiter, plus 1, ça c'est quand même pas mal. L'écraseur. Non, c'est bon, je suis plutôt bien niveau stuff. Oui, il y a ça aussi qu'il faudra que je vende. Je verrai plus tard. On va mettre tout ça dans le. On va mettre tout ça dans le coffre pour l'instant. Partir. Que je regarde qui peut équiper ces armures là et si c'est pas assez bon pour qui que ce soit les vendre. Acheter des rations, tiens, est-ce que ce serait utile si ça se trouve le machin il va nous balancer dans un mini donjon, ça ne m'étonnerait point.
Ici, je vais pouvoir acheter des rations normalement. Je prends celui qui en vend. Alors, elle en vend. Non, elle vend que des livres. Baguette, parchemin. Ah, parchemin, t'as peut-être des trucs intéressants. Une potion de plaisir grave. Hein. Soins importants, rappel à la vie, ça coûte cher. Héroïsme, soins importants. Ça peut être métamagique de quintessence inférieure. Non. Jambière de porte-loi. Je vais les acheter. Ça coûte rien. Et ration de campement. Des points de construction, je peux en acheter aussi. Ça fait beaucoup, on va en acheter 12. Ça, je te lance ça. Écu d'injustice. Ouais, non, je garde. Va te vendre ceci. Et ceci. Voilà. Ça, on est pas mal. Donc on a une des trois parties de l'armure. Donc ça c'est une autre quête, la quête d'un nain forgeron que j'ai recruté. Donc il veut que je récupère des morceaux de porte-loi. On fait voir vite fait cette mission là, porte-loi. Voilà. Je crois que ça doit être... je crois que je sais où se trouve la deuxième, par contre la troisième pièce, j'ai aucune idée d'où elle est. Alors, dans notre groupe. Donc, il va nous falloir... j'ai bien envie que Amiri soit là, quand même. On va prendre Amiri, on va prendre lui, lui, elle, pour tanker. Et... qu'est-ce qu'on va faire pour compléter le groupe? Lui, ce serait pas mal avec ses grenades. Elle, ses spells pourraient servir. On va prendre Jubilost. Salut Avocado. Salut Commando Route. Les affaires du royaume vont attendre, je ne suis pas responsable du tout, mais vont attendre. Donc on va aller jusqu'au fort Narl pour commencer. On va entrer dans la zone, on va caster les spells de soin, on va sortir de la zone, on va camper, puis on va aller à la tour.
D'ailleurs, le nain, il est là, donc je pourrais aller le voir, je pourrais lui dire que j'ai trouvé un des morceaux. Alors, on va voir. Trois marches, on devrait repasser. Nain à la capitale, donc je l'ai, une espèce de comptoir commercial, donc c'est celui qu'au nord. Le troisième route dans les coins les plus reculés. Connais une certaine Dunra, ok. Ah, dans ce cas, je sais où se trouvent les trois, bah, on pourra faire ça juste après. Pour l'instant, toi. Restauration partielle sur Amiri. Plus 1 en force, putain, mais fais-moi des bons jets. Ah, 4 en force, voilà, c'est pas mal. Index, allez, voilà, elle est remise. Du coup, on peut se barrer. Tristan m'a aidé à les vaincre, mais surtout permis de leur balancer une boule de feu à la gueule. Non, on ne veut pas entrer, on va d'abord camper. Utiliser ration. Chibi-Lost, gestion efficace, ça fait quoi? La durée de campement est réduite. Non. Miri. A plus 1 pour le premier combat qui se déroule dans les deux premières heures. Hein. Ça peut être pas mal, augmenter ses dégâts. Double régénération de points de vie. Et elle, ça augmente son armure. On va augmenter son armure plutôt. Histoire qu'elle puisse bien tanker. Voilà, maintenant on est prêt. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, juste ajuster l'arrangement du groupe. Là, toi tu vas là, moi je reste par là. Toi tu vas là, toi tu vas là. On va essayer de venir jusque là. On va voir si c'est bon pour interagir avec le truc ou pas. Là c'était bugué parce que j'ai essayé de le faire avec mon perso principal qui avait pas les compétences pour. Du coup je pouvais le faire avec personne d'autre derrière. Et j'ai oublié de changer ses sorts, hein, oui. Bon, pas très grave.
Vas-y, mais est-ce que tu peux le faire? Oh, je peux cliquer quand même dessus, c'est buggé. Ben, c'est marrant, ça nous fait gagner du temps. On va faire une petite sauvegarde rapide. Ok, donc on va juste balancer les bœufs. I am prepared. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme buff que je peux lancer? Déplacement, ça c'est un tour par niveau, donc non. C'est une minute par niveau. Ok, donc là je suis buff moi, ça c'est bon. Amiri, non. Tu veux lancer bénédiction? La résistance aux éléments, tu vas balancer ça juste après. Délivrance malédiction, ça peut servir. Aura d'Archon après. Toi, est-ce que t'as des buffs qui peuvent être intéressants? Panoplie magique. Armure. Sur Valérie. Ça va bien l'améliorer, délivrance malédiction, lumière brûlante, ok. Et juste, tu vas te lancer grâce Féline. Vas-y sur moi. Ok. On est bon. Parlons à lui. Alors vous êtes. Je suis prêt à affronter ce qui se trouve de derrière ce portail. Allez. Enemy approaching. Quoi, c'est tout? Encore un putain de feu follet. Bon. Résistance à l'électricité, hein. Ah oui, le mec, c'est lui qui les a invoqués. Attaque avec prescience. Étape du en forêt. On l'a eu. Alors, la flûte de reine des cyprès. Bon, intéressant. Ranali invoqué, Ranali, ok. Parlez-moi de cet endroit. Si que demande son compte, la frontière est aussi ténue qu'un fil, alors cela a donné naissance à un portail. Pour l'instant, il est scellé, mais en accomplissant un rituel, j'ai remarqué qu'il était facile à ouvrir. Quelqu'un a dû utiliser ce portail, et ce, il y a peu de temps. Les autochtones prétendent que l'île est maudite. Maudite? Sûrement pas.
La tour regorge de magie, mais elle va être maudite. Moins que, pour vous, avoir l'esprit troublé soit comparable à une malédiction. Et celui qui m'a envoyé prétend qu'il y a des trésors. Je pense qu'il s'est sans doute trompé. Ok. Est-ce que tu peux sceller le portail? Bien, j'en suis incapable, tout ce que je peux faire, c'est devenir un gardien jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes certain de devoir rester sur l'île? Telle est ma pénitence, quelqu'un doit garder le portail. Je ne laisserai personne d'autre mourir ici ou se laisser submerger par la tentation. Alors, est-ce que si je dis ça, ça... Je laisse tranquille, adieu. Est-ce que si je lui dis ça, il attaque tout de suite? Ou est-ce qu'il a quelque chose à dire pour sa défense? Pourquoi non? Vous avez trahi ceux qui m'ont fait confiance, vous avez laissé un de vos amis mourir, vous avez tué l'autre. Vous êtes assassin, il va falloir répondre de vos crimes. C'est juste pour voir si ça déclenche un combat. Je respecte ton serment et je ne serai pas tué sans combattre. Ok, donc ça... Non, parce qu'il est là pour surveiller le truc, je vais le laisser faire. Par contre, si c'est sa merde, je lutte. La quête, c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on y fasse? La malédiction du lac aux chandelles. Le trésor est introuvable, tous les chasseurs de trésors sont morts et nos héros sont entendus arcane du sol les mains vides mais chargés de mauvaises nouvelles. Bon bah, faut aller, voilà. Faut aller là-bas. Hein. Allez, les gens, on a défoncé tout, je pensais qu'on allait affronter un truc un peu plus gros qu'un feu follet, mais. On peut passer par là. Ouais, non, là par contre j'étais obligé de faire le grand tour. Juste histoire que Kao il soit à peu près fou de vie. Ça a été une corvée de monter là-haut. Je vous dis pas ça, je l'avais fait hors stream, mais en gros, il y a des feux follets qui popent tout le temps. Tout du long, tous les 3 mètres, il y a 3 feux follets qui arrivent. Et ils arrivent au même moment où ils arrivent, ils vous castent des éclairs à la gueule. Une corvée. Pas de vous buffer avant le combat, non sans déconner je l'ai fait mais c'était pas utile. Il n'y avait que résistance à l'électricité qui était vraiment utile. Ça
J'ai mis mon fort quand même juste en face de l'endroit maudit. Entrer dans la ville. Je crois qu'il faut que j'aille à la place publique. Je crois qu'il est quelque part là-dedans. On va passer par la taverne. On va faire tous les endroits un par un. Puis on va retourner. On va retourner à la salle du trône. On va gérer un peu les affaires du royaume. On va voir ce qui s'y passe. Puis je vais aller explorer du coup la zone à l'est. C'est-à-dire la partie nord de la rivière qu'on n'a pas explorée. Et ça doit être là qu'il y a le village de Kobold. Parce que les autres Kobolds, c'est nos alliés, donc... ça devrait pas être eux. Gardurson, ouais. J'ai mis une pièce sur votre immobilité à coup de monstre, le rôdeur et le paladin sont morts, tandis que le prêtre a volontairement choisi la route de l'exil. Les ruines sont vides, il n'y a pas de trésor. Ça signifie que la malédiction existe vraiment, c'est bien ça. Ok. Attendez un peu, c'est vous qui envoyez ces pauvres boucs sur les n'est-ce pas? En d'autres termes, vous êtes celui qui a condamné à mort avant de m'empêcher. Avant de me dépêcher sur trace que vous avez. Aucune malédiction, la tragédie frappe parfois, c'est simple que ça. Ces trois-là se sont maturés en zone dangereuse, ils sont pas ressortis vivants, c'est triste. Mais il n'y a rien de surnaturel. Alors je vais quand même dire la vérité. Si votre grâce serait déterminée, Louis ou Adesna, vous êtes revenu parmi vos sujets sains et sauf, je vous en prie, veuillez accepter cette récompense. Pièce d'or et de l'XP. Il y a que la chance n'a pas souri avec cette île, j'ai pas gagné un sou. Je devrais pas tenter ma chance plus à l'est. On dit que les escarpements, les vénis sont une vraie mine d'or pour les esprits brillants, si ça ne dérange pas. Je crois que j'ai allé m'offrir un verre. Au revoir et voir. Une chaîne montagneuse qui s'en va au ciel. Imagine fort bien issue d'un immense cataclysme. L'immense gravure est d'œuvre d'art rupestre, ok. Alors, nous pouvons simplement oublier toute l'histoire, mais le portail béant de la tour m'empêche encore de dormir. Ah oui, on va sans doute entendre parler. Elina, t'as pas des trucs à vendre ou intéressants? Enfin, d'un fois, vous avez pas quitté les coups des yeux. Non. Plutôt bel homme, il sait se retrouver chez ses manches. Bref, elle en pince pour lui. Quelles sont les dernières nouvelles? Un étrange navire. Ah, un étrange navire sur le lac de Marche Argentée. Intéressant. Qu'est-ce que t'as de bon? Du cidre, de la farine. Des rations, des légumes, des noix, de la viande, des œufs. Alors Amiri, comment ça va ma grande? Pourquoi ce fantôme t'a-t-il traité de voleuse? Comment je peux le savoir? Ah oui, parce que je suis allé affronter, je vais voir les barbares hors stream. Qu'en gros, c'est genre les barbares misogynes. Elle a pété la gueule du chef pour ça, si je l'avais pas arrêté elle l'aurait buté. Et après on s'est fait attaquer par un fantôme de troll de glace qui traitait Amiri de voleuse.
On l'a buté, mais apparemment il revient toujours. C'est un fantôme et. Juste qu'il marmonne. C'est peut-être à cause de l'épée, je l'ai prise à un géant et le fantôme est celui d'un géant. Bon, j'aurais pu deviner que ce crétin aimait tellement ce bout d'acier qu'il reviendrait d'entre les morts pour le réclamer. Et on a aussi appris que sa tribu avait essayé de la buter. Parce qu'il y a une femme peut pas être guerrière. Bon, si elle annule le combat, ça fera rien à la cantonade, mais si on lui trouvera un nom ridicule, comme la chefounette, mais si elle est douée, la meilleure de tous. Alors, ce sont les autres tribus qui se tordent les côtes. Ah bah oui. C'est pour ça qu'ils ont, vous savez, laissé tabou de faire couler le sang de son frère ou de sa sœur. Alors, ils ont trouvé une autre idée, et quelle idée? Me confier aux sales pattes des géants en espérant qu'ils me bouffent toute crue. Comme si je pouvais avoir la trouille d'affronter la mort. Je leur crache à la face ces bâtards et leurs traditions. Je suis un tabou vivant, moi. Oui, en effet, parce que après coup, elle les a butées elle-même, donc. Alors, t'avais l'air proche de Nilak. Vous imaginez pas à quel point, de toute cette fichue tribu, c'est la seule qui me comprenait. Elle est pas une guerrière, mais son esprit est fort, et elle est futée, plus futée que tous les chefs du monde. Vous avez toujours causé les sales bêtes, on va plus les éviscérer, mais si, t'inquiète, on va y aller. Tristan, est-ce qu'il y a du nouveau? Non. Tristesse du streamer qui doit contacter son chat pour leur dire de parler. La tristesse. La tristesse. Avant d'aller explorer, j'allais chercher les morceaux de porte-loi qui manquent. Donc je sais où ils sont. Tristesse de Solchat, vide, putain. Ah, raté. Alors, malédiction. La cochandelle. Elle est occupée, mais il faudra. On va gérer ça plus tard. Événement. Fléau local.
Est-ce que si on prendra le 28 jours, bah non, on va juste passer quelque temps. Ah bah il a lancé automatiquement. 3 jours, 6 jours. Le joueur, créature féerique est arrivé dans la région et semble plus que tout aimer les jeux d'argent. Ce roublard incite les gens à jouer avec lui et dépouille leurs économies. Bah c'est lui qu'on va y mettre. Meilleur ami de l'homme. Ah putain. Échec putain. Et si j'enquête sur la malédiction, ça va me prendre 60 jours. Sauf que si je le fais, je vais être complètement immobile pendant 60 jours. Ça me fait chier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Taxe marchand, réussite critique. Parfait. Le joueur. Gonger, une tête brûlée, il fait pas d'insultité. Putain, changer de général, ça pourrait être très drôle. Le demi-orc chaotique mauvais comme général. Valérie. Alors, si je la mets en régente. Est-ce qu'elle peut le gérer? Non. On va laisser Valérie en régente pour voir un peu si ça aide. Et on va... Alors 21 jours, 20 jours. On va quitter, on va juste passer une journée, deux journées. C'est bon, il se passe rien. Notre expert en antiquité par rapport à cette flûte qu'on a trouvée aussi. Je te demande de regarder un film. Porcelain vieil artefact. Brasser le cheval sylvanien, oui. Des fragments d'un anneau du courage intrépide. Et. Fragments du commandant intergalactique, un cadeau venu d'un autre monde. Là, c'est tout. Et le... L'esprit antiquité le trouvera certainement très intéressant. Bon. Bah, flux d'or et de cyprès. Appartenu à une vieille fée. Bon bah... Regardez pour l'instant, je vais aller mettre ça dans le coffre. Je vais mettre le reste dans le coffre, on va voir si j'ai juste ça, ce qui veut me dire un truc.
le diamant, on va le garder parce que ça peut être très utile. Bon, fragment de l'ancien chevalier, fragment de métal céleste, éclat fondu d'un anneau. Cette flûte, je sais pas du tout quoi en foutre. L'expérience d'antiquité est certainement très intéressant. Je sais pas ce que ça veut dire. Que c'est un truc qui sert à être vendu, parce que si le seul expert antiquité que j'ai c'est lui. Apparemment ça vient d'un, ça fait partie d'un set. C'est bien parti d'un set d'objets. C'est un set d'objets dont je ne connais pas l'usage, dont je ne connais pas l'emplacement des parties restantes. Ok. Ah oui, d'accord, le truc dont il me parle à propos de l'air qui est si pur, etc., c'est à cause de ça, ok. D'accord. Et le temps de chargement, il prend un peu sa vie là. Minutes, d'ici 10 minutes, je vais sans doute m'arrêter. On va juste aller chercher les fragments de l'armure. Et après, il va falloir que je sorte mes chiens. Attends, je regarde un truc. In due time. Ok.
et partir. Partir avec le même groupe, ça me semble pas mal comme plan. Ça me semble plutôt bien. On va peut-être retirer Tristan et on va mettre écoute d'ailleurs. Ça me semble pas mal. Voilà, ça servira plus tard, c'est si je dois annoncer des trucs genre je dois y aller, ce sera là. Donc il faudrait qu'on aille au gîte isolé et au comptoir commercial d'Oleg. On va commencer par aller au comptoir commercial d'Oleg. Infiltration. Ouais, on se faufile, allez. On continue. Sentier des collines, pleine de trempées. Ah, attends. Ok, ça tire des monstres. Oui, je vais entrer dans une... Ah, ça doit être parce que j'ai un plus haut score de perception, je vois plus loin sur la carte, c'est pratique ça aussi. Voilà, 10 minutes pour récupérer les parties manquantes de l'armure. Les temps de chargement qui prennent 20% du temps de jeu. Thank you.
tu devrais avoir une pièce d'armure pour moi. Lingot d'argent, perles, statuette. Non, cuirasse de porte-voix, voilà. Cette boîte magique d'extension. Des nouveaux trucs peut-être. On va être de feu, épée longue, épée à double lame. Ou l'épée à double lame, ça pourrait être assez stylé. Cimetière à deux mains. Plus 1, ça peut être cool aussi. Bulova va plus 1. Mouais. Bon bah, c'est sympatoche, mais. Ce sera tout, merci. On a la cuirasse, et donc ça doit être la marchande. Ça doit être l'autre chieuse de Durga qui a l'autre. Oui, du coup j'ai accès à mon coffre aussi, c'est pratique. Une épée bâtard plus 1, mais j'ai une épée bâtard de feu plus 1. Donc les forces elle est meilleure de base. Ça faut que je la vende parce qu'une épée bâtard plus 1 en fait c'est comme une épée bâtard de maître. C'est juste que du coup elle peut toucher les ennemis qui résistent aux armes normales vu qu'elle est magique. Et si je vais par là, ça me permet de retourner tout là-bas à Restov. Je pourrais aller à Restov, ce serait rigolo, je crois peut-être ça, un de ces quatre. Maintenant, il faut qu'on aille jusque là. Ça va prendre presque 2 jours de route. Ouais, on va s'arrêter ici. On va camper. Pas utiliser ration, on va envoyer Amiri chasser. Amiri ou Ekundayo? Ouais, les deux sont égaux. Ekundayo, on va le mettre là. On va envoyer Amiri chasser. Toi, tu as monté la garde. Avec Ekundayo, du coup, on a besoin de moins de ration, du coup, la chasse est plus rapide. Notre route. On fait notre petite itinérance baronique, petite itinérance présidentielle. Voilà, une fois là, on pourra juste aller jusqu'à Fornarl et on sera bon. Infiltration. Ah putain, il va falloir les affronter. Et je crois que les chiens ont envie de sortir, donc on va buter ces mecs là, puis on va s'arrêter, et du coup vous ne verrez pas la réparation de l'armure. Bon, non, en fait, on va juste décaler. Bon. Oh, time to get some rest, isn't it? Oh, t'es chiant, j'ai besoin de mon petit cours primordial, putain de merde. I am prepared. Well. Awaits us. What's new? Depend on me. Enemy approaching. Voilà, on va défoncer. Des manticores comme ça au calme.
J'ai l'étrange impression que ce sera plus simple de régner si j'y vais en mode loyal mauvais ou en chaotique mauvais et que je bute juste tous ceux qui me font chier. Ouais bah tu vas faire ta sieste juste après, calme-toi. Ça va être demain. Je vais avoir tes marchandises. Bandelette pour toi, merci. Au passage, j'aimerais passer la nuit ici. Ça prend 7 pièces d'or. Je suis votre souverain, j'aurai pas. Bah non, je paye. C'est pas parce que je suis souverain que j'ai pas payé quand j'ai dans une auberge. 7 pièces d'or, voilà, ça coûte rien. Piquer quelques rations. Falte 4 à 2 mètres. Bof. Partir. Je me suis largement remboursé le coût de la nuit en lui piquant des rations. Allez. On peut aller ici. Un jour et 10 heures. Il n'y a pas de chemin plus rapide. Ah non. On peut pas y aller en bateau. Entre deux dagues, ça on ira avec Amiris, ça devrait lui plaire. Mais c'est tombé en arrivant en ville. Bah oui, je streamais tôt pour que mon frère puisse venir voir en fait. Sauf que en fait, non, il m'avait dit stream le matin, comme ça je peux te regarder en prenant mon café. Sauf que en fait, il voulait dire stream le matin, le week-end, pas en semaine. Et puis bon, ça fait que je me lève tôt donc c'est bien. Du coup, je vais pouvoir reforger une armure légendaire du maître nain forgeron. Je suis allé lui chercher les morceaux. J'ai récupéré l'armure de votre grand-père. Elle était vous. Mon sang Pierre Gan Salvorien, il a fallu que tu ruines un chef-d'œuvre en parfait état. J'imagine qu'il n'y a pas trouvé d'acheteur pour l'armure complète. Ouais, il y a du boulot, il va me falloir des lustres pour réparer ça. C'est pas grave. Du coup, tu te places sur mes terres? On va dire, il y a pas mal de troublions, ok. Ok, bon bah du coup, il viendra sans doute me voir à un moment et me dire, ouais, j'ai réparé l'armure, allez, mettez, donnez-la à votre nain. Sauf que l'armure elle s'appelle Porte-Loi, donc ça doit être un truc qui a des enchantements pour être loyaux. Et... Attends, d'ailleurs, dans mon groupe, qui c'est que Jacques est loyal? Moi, bon, je suis neutre bon. Mon alignement il bouge pas beaucoup. Hein. Elle est chaotique neutre. Ah ouais, c'est une barbare. Lui il est chaotique neutre. Elle est loyale neutre. Lui il est chaotique neutre. Et lui. Ah, et lui il est loyal bon. Ah, c'est le seul personnage loyal bon, je pense. Mais est-ce que du coup je pourrais le multiclasser en paladin? J'ai un doute. Hein. De toute façon, les rôdeurs niveau 8, ça servira à rien de le mettre en paladin. Même s'il a quand même, il a quand même 16 de base en force, hein, c'est pas dégueulasse. Paladin en armure légère, ça pourrait se faire.
Esquive totale, mais non, c'est rôdeur, ça sert à rien de multiclasser avec, avec Pelouf. Hein. Du coup, en fait, il n'y a aucun personnage qu'on peut multiclasser avec Pelouf. Du coup, on va rentrer à la capitale. Et je vais arrêter de stream ici pour l'instant. Je vais juste sortir les chiens. Juste sortir les chiens vite fait, j'en ai genre pour 10 minutes. Et puis je reprendrai le stream. Puis te plains pas que je stream tôt, ça fait que tu peux venir. Juste sauvegarder ici. Toc, sauvegarde. Je laisse le jeu en pause. Ça te surprend, bah tant mieux. Moi je suis surpris que s'il n'y ait personne. Ça devrait être un bon créneau. Il devrait y avoir personne qui stream. Mais non, forcément. Bon allez. Je coupe le stream ici juste pour la VOD et je reviens d'ici 10 minutes, un quart d'heure, le temps de sortir les chiens. A tout de suite.